Suffit à la casou et hop là, le parasol. Bon, enfin me voilà chez moi pour jouer, m'amuser, terminer ma magnifique pyramide. Ah, tais-toi, toi, pas trop de bruit, la paix, hein. Ah, pas de pyramide, pas grave, pas de problème, le bricolage alors, le collage. Cher petit bonhomme chéri, va faire un tour pour toujours sur ma feuille. Voilà, collé. Il est charmant, n'est-ce pas, les poussinots? Oh, il est charmant. Il est charmant. Oh, non, 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 non. Va voir la pyramide, toi, va te promener. Bon, prends un catalogue à la casou et regarde les images, hein. Ça, c'est pas compliqué du tout. Ah, non. Non, non, non. Oh, que je suis maladroit. Ah, oui, je ne suis pas capable de me contrôler. Mais qu'est-ce qui te prend, vieux tournesol? Je fais tout sans dessus le sou. Bon, mais que faire maintenant? Ah, je sais. Manger, ça, c'est facile. Alors, mangeons. Ah, vite, vite, mon gazon, où est mon gazon? Non. Ah, tu pouvais pas tenir droit, toi, le gazon, toi, la tête. Ah, oh, maman, la caméra. Allô, je t'appelle, toi, maman. Allô, maman? Maman, la caméra? Hein? Maman qui? Maman la puce, ton numéro, oh, non. Le nez dans la farine maintenant. Oh là là, que je suis maladroit. Bon, ben ça suffit à la cadeau. Calme-toi, doux. Quand tu t'énerves trop, beaucoup trop, tu fais des malheurs par-dessus malheurs. Respire. C'est ça. Prends un biscuit soda, là. Doucement, c'est ça, c'est beau, il ne se casse pas, non. Et non, il se cassera dans ta bouche. Oui, ça va bien. Et ouf, tu vois, tu peux tout faire quand tu t'énerves pas trop à la casou. Et au revoir, mes chers Poutino, au revoir, mes chers Poutino. J'avais un verre de couille, il était pas plein, puis c'est l'école, c'est papa. Quand mon bol, il s'avait déchiré sur un clou pendant que j'étais en train de jouer. Ah oh oui, des fois, je dis quand Agnès donnait quelque chose, puis sans faire un petit stress, je cassais ses affaires. J'avais de la peine parce que je pensais que papa il était pour me scanner parce que j'avais cassé un bat et il était arrivé à 9. Du pas de picolat. Oui. Une orange. Une orange? C'est certain pas partout. Oui, moi quand je mange une orange, là, j'ai les doigts qui collent. Ah, oh, ça c'est vrai que ça colle une orange. La pâte à modeler. Ben oui, on peut mettre deux boules de pâte à modeler ensemble puis les faire tenir. Ah, c'est vrai. Une enveloppe. Une enveloppe? Oui, c'est quand on la mouille pour la casser. Ça colle. Oh oui. Un aimant. Des clous. Ça colle sur un aimant. La confiture, Oui. La confiture, Une sucette. Oh, une sucette, j'en veux une, moi. Ben non, Passe-Montagne, c'est pas ça notre jeu, là. Notre jeu, là, c'est qu'il faut trouver des noms de choses qui collent. Hein, pourquoi des choses qui collent? Pour fabriquer notre pont. Ah, oh, hey, pourquoi un pont? Ben, voyons, pour se promener d'une île à l'autre. Oh, pourquoi une île? À toi, un glacinon. Oh oui, un glacinon. Ah, du papier-collant. Ah, on l'a déjà dit, Passe-Montagne. Une enveloppe. Non, ça aussi, on l'a déjà dit, Passe-Montagne. À toi, Tourmaline. Oui, De la confiture. Vous l'avez déjà dit. Un passe-montagne. Oh oui, ça, c'est collant. Oh, très drôle. Oh, non, je sais. La gomme. La gomme qui colle en dessous du soulier. Oh, oui.
Pense-moi, je vais aller faire un tour sur l'île de Tourmaline. Oh oui, bonne idée. Oh, elle est très belle, ton île Tourmaline, un peu plus petite, là, mais belle. Oh, attention, j'ai un fantôme. Où ça, où ça? Là, là, derrière. Oh, non, passe partout, hein. C'est seulement un gros nuage qui a passé. Et voulez-vous voir mon île? Oui, oui, oui. Attention. Oui. Froid de l'eau autour de vos îles, les filles. J'ai préchauffé sur mon lit. Ah oui, d'accord. Moi, j'allais chercher une couverture. Oh, oui, oui. J'aurais dû faire plus attention. Ça va mieux? Ah oui, ça va mieux. Ah. Oh non, 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 non. Proche. Ah oui. Ah là, c'est mieux. Oh, on est bien, hein. Peut-être un peu plus poussé là. Parce que si je dis là, ça va peut-être tomber. Non, poussé par là. Comme ça. Tourmaline, as-tu fini ton déguisement? Oui, oui, je suis prête. Est-ce que t'as une robe? Oui. Ah oui? Une robe rouge? Oui. Toi, est-ce que t'as un chapeau? Oui. Un chapeau avec un grand bord? Oui. Est-ce que tu as un collier aussi? Oui, oui. Toi, est-ce que tu as une ceinture? Ben oui, c'est une ceinture jaune. Oh, hey, on dirait que Tourmaline et moi, on est habillés pareil. On dirait qu'on a eu les mêmes idées pour notre déguisement. est-ce que tu as un foulard vert autour du cou? Ben oui. Oh, hey! Oh non! Oh non! On est pareil, pareil! Mais oui! Oh, non, 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 non! Oh, il y a une petite différence. Où ça? Ben, nos chapeaux, ils sont pareils. Nos robes sont pareilles. Oui, oui. Nos foulards sont pareils. Oh, je le sais! On est pas éclair! C'est ça! Hey, alors, on a une différence. Oui. Deux différences. Trois différences. Oh. Quatre différences. Cinq différences. Six différences. Sept différences. Mais là, Tourmaline, on est vraiment plus pareil. Oh, hein? Non, c'est bien mieux comme ça. Ah, oui, il est parti. Je suis prêt, là. Il manque juste le maïs. Qu'est-ce qu'il fait, mon pruneau? Ça prend bien du temps.
temps pas long. Aller chercher une boîte de maïs, c'est Madame Coucou. Bon, enfin. Oh, non, maman, on est allé se balancer au parc. Je voulais moi. Puis là, ta marin est arrivé et nous a donné des élans. Mais voyons, Bruno, t'as pas le maïs? Quel maïs? Mais comment ça, quel maïs? T'as pas fait la commission que je t'ai demandé. Quelle commission? Voyons, Bruno, fais pas semblant de pas comprendre. Je t'ai demandé d'aller chercher une boîte de maïs chez Madame Coucou pour mettre dans mon pâté chinois. Là, t'arrives... J'ai jamais demandé ça. Mais oui, Bruno. Ben non, moi, j'étais en train de jouer dehors. Écoute, je m'en souviens, je m'entends encore te dire, Bruno, veux-tu aller chez Madame Coucou? Tu m'as jamais dit ça. Écoute, c'est pas fort. En tout cas, tu ne l'as pas dit. C'est pas grave, c'est juste parce que t'as oublié. Non, j'ai pas oublié. Bon, en tout cas, peux-tu y aller, là, chez Madame Coucou? Oui, oui, mais j'ai plus qu'un jour. Passe par en avant, ça va aller plus vite. Oui, oui. Oublie pas, là, demande une boîte de maïs. Je sais, maman, je sais. C'est drôle, ça. Dans certaines, je m'entends encore lui demander. Ça a pris un petit peu de temps, maman, parce que j'ai aidé Madame Coucou à finir son gâteau. Viens t'avoir. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Ben, j'apporte le maïs, maman. Comment ça se fait? C'est pas à toi que j'ai demandé ça. Ben oui, tu m'as dit qu'Amel veut aller chez Madame Coucou. Oui? Ben oui. Je te l'ai demandé à toi. Tu t'en souviens pas? Oh, je t'ai distraite. On peut dire que je croyais pas Bruno. Où est-ce que j'ai la tête, donc? Je l'ai presque discuté parce qu'elle avait pas fait la commission. Mais c'est à moi que tu l'as demandé. Oh, je m'en rends compte, là. Oh, franchement. Non, Perline. Maman, Madame Coucou a fait demander si t'as besoin de deux boîtes. Mais non, Bruno. Mais non, c'est moi qui ai l'air. Oh, ça l'avait dit, hein? Puis toi, tu ne croyais pas. Non, excuse-moi, Bruno. C'est toi qui avais raison. Puis tu essayais de me le dire. Je le savais, hein? Je suis pas menteur, moi. C'est toi qui t'es trompé. Ben oui, c'est moi. Mais toi, t'es mêlée aujourd'hui, maman. Ben oui, une chance que ça m'arrive pas souvent. Madame Coucou, elle a dit... Elle fait un gros pâté chinois, ta mère! Pauvre elle, elle ne peut plus rien comprendre. Puis là, on a deux boîtes. Je vais aller la reporter, moi. Oui, puis tu lui diras, Madame Coucou, que ta mère est pas mal dans la lune aujourd'hui. Oui! Tenir debout sur ses deux pieds, c'est facile. Et rester en équilibre sur un ballon, c'est très, très, très difficile. Je sais quand même, Perline, elle me le dit souvent, mais là, je comprends pas ça qu'elle m'ait oublié. Là. Elle n'y a pas pensé. Comment ça se fait, donc? Ça va être drôle. Je ne serai jamais capable de vous attraper. Non, ben, il faut que j'arrête de me faire de la peine avec ça, là. Grand-papa, d'accord, on va dire que nous autres, on est des souris, puis toi, t'es un gros chat. T'essaies de nous attraper. Ben, là, une autre fois, là, ça me tente pas, là. Pourquoi tu veux pas? Ah, oh, parce que j'aime mieux rester tranquille. T'as mal aux jambes, grand-papa? T'es fatigué, toi, hein? Viens te coucher sur le divan, on va te mettre une couverture. Ah non, non, c'est juste que j'ai pas le goût de jouer, là. Mais ben d'abord, moi, je peux te raconter une belle histoire. Ah oh, oui, on peut te chanter des chansons aussi. Minou, joueur de tour, a trempé son menton dans l'eau des petits poissons. Ah, non, c'est ben, arrêtez, les enfants, là, arrêtez.
Votre grand-père, il n'a pas le cœur à rire, non. Trouves-tu qu'on est trop tannant? Oui. Ben non, vous êtes bien fin, là. C'est pas ça, c'est... Ben, qu'est-ce que t'as, grand-papa? Mais j'ai le cœur gros, mes petits amours. T'as de la peine dans ton cœur? Pourquoi? Mais, parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ah, c'est ta fête! Eh oui, je pense que Perline l'a oublié, là. J'ai pas vu de gâteau, pas de chandelle, de rien. Ma fête va passer dans le vide, là. Comment ça se fait? Que maman l'a oublié, ta fête? Ah ben, c'est pas de sa faute à Perline. Elle avait des choses à penser, là. Mais n'empêche que ça me fait de la peine. Vous savez, mes petits amours, en vieillissant, on est plus sensible. C'est pas grave, on va la fêter demain, ta fête. Mais demain, c'est pas pareil. Oh, peut-être que c'est maman qui t'appelle? Ah ben, ça serait bien fin. Moi, j'aime pas ça quand mon grand-père a de la peine. Moi non plus, j'aime pas ça. C'est toi, mon rigodon. Maman, t'as oublié oui, la... c'est la fête de... Je le sais. Où il est, le grand-papa? Au téléphone. Ah bon, tant mieux. On va lui faire une belle surprise. Oui! Lui voir le beau gâteau que j'ai acheté. C'est celui que grand-papa aime le plus. Au chocolat! Puis t'as pensé à moi à l'école, toute la journée. Ah ben, ça me fait plaisir, ce rigodon. Tu m'en dis combien? 50 bonnes fêtes. Bon, c'est prêt. Viens-t'en, grand-papa. Ah ben, c'était rigodon, les enfants. Il a pensé à moi. Bonne fête, papa. Ah ben. C'est la fête à toi aujourd'hui. Chaque année revient dans ta vie. Le jour de ta fête qui sourit. On t'aime, voilà pour toi. Un gâteau qui fait le beau, des bougies qui te sourient, des clins d'œil, plein d'étoiles. On donne des becs, becs beaux, des becs partout, partout. Sur tes joues, becs doux, becs beaux. Bonne année, bonne année, bon anniversaire. Aujourd'hui au calendrier, il y a un petit soleil dessiné. Tu vois, on t'a pas oublié. On t'aime, voilà pour toi. De l'amour et pour toujours. Du bonheur tout plein ton cœur. Viens-t'en dans nos bras. On donne des becs, becs beaux. Des becs partout, partout. Sur tes joues, becs doux, becs beaux. Bonne année, bonne année. Bon anniversaire! Oh mon beau grand-papa d'amour! Bon anniversaire, papa! Ah, tu m'avais pas oublié, ma Perline. Hein? Non. C'est mon gâteau préféré. Ah ben, je suis content. Merci, hein. Merci beaucoup. Grand-papa! Oui, oui! Je lui avais fait des bras, puis des mains. Il se laisse balayer là comme ça. Et puis, regarde. Je lui avais fait deux beaux gros yeux avec ces boutons-là. Comme ça. Et je te dis, il était assez beau. Oh. Ouais, ben là, hein. Il est disparu, mon bonhomme. Mais quand c'est fondu, hein.
c'est vrai, un bonhomme de neige, là, ça peut pas être là pour toujours, toujours. Oh, puis, l'hiver n'est pas fini. Hey, peut-être qu'il va neiger cette nuit. J'aimerais ça. Hey, s'il pouvait faire une grosse tempête de neige collante, là, oh, ben, là, ce serait un autre bonhomme, mais avec trois grosses boules cette fois-ci, là. Il serait haut comme ça.